Passons au sport maintenant, et d'abord au tennis. 20h, 24 minutes. Tennis à Roland-Garros. Sera-t-il donc dimanche le premier Français vainqueur de Roland-Garros depuis Marcel Bernard en 1946 ? Tous les amoureux du tennis, chauvin ou pas, vibreront à l'unisson du cours central dimanche après-midi quand Yannick Noah affrontera Mats Wilander. Aujourd'hui, Noah en superbe forme a écrasé, il faut bien le dire, Christophe Roger-Vasselin, qui avait pourtant pour lui la tendresse du public. Quant au tenant du titre, le jeune Suédois Mats Wilander, il a finalement battu, difficilement au début, l'Espagnol Higueras au cours d'une longue partie. Et il faisait bien chaud à Roland-Garros, Gérard Rolls. Chaud, le central de Roland-Garros cet après-midi. Fini les nuages, la grisaille et les vents coulis. Le soleil, qui en connaît un rayon, voulait lui aussi participer à la fête du tennis et fêter les vainqueurs de la journée. Le match Higueras-Wilander d'abord. Un mano à mano qui va tourner au bénéfice du Suédois, malgré quelques très bonnes réactions de José Higueras. L'Espagnol, à la barbe fleurie et au coude douloureux, a bien tenté de résister à la régularité et à la solidité du Suédois. Higueras a même gagné le deuxième set au tie-break. Mais après de longs échanges, l'Espagnol va céder. 6-3 dans la troisième manche, 6-0 dans la quatrième. Et Mats Wilander, pour la deuxième fois consécutive, va se retrouver dimanche en finale des Internationaux de France de tennis. Score final, 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. En face de lui, il y aura dimanche Yannick Noah. Pas de surprise en effet dans la première demi-finale entre les deux Français, entre les deux copains, entre Yann et Christophe. Noah s'est imposé, Roger Vasselin a craqué. Apprécier la présence, le déplacement, l'anticipation et la technique de Yannick. Je crois qu'il faut le répéter, Noah n'a jamais été aussi en forme qu'en ce moment. Impressionnant sur tous les coups. Pourvu que dimanche, mais enfin c'est une autre histoire. Victoire donc de Yannick Noah, 6-3, 6-0, 6-0. Tu as vu le match? Hein? Tu m'as vu? Est-ce que j'ai gagné ou perdu? Gagné. Ah, tu as regardé alors. C'est un match dont je rêve depuis longtemps. C'est-à-dire la finale de Roland-Garros. Roland-Garros a toujours été dans ma tête l'épreuve importante. Et je me suis préparé pour gagner. Et maintenant la finale, ça commence à se préciser. Mais de toute façon, j'ai rien à perdre dans ce match et je vais jouer mon jeu. Il y aura pas mal de pression, c'est sûr, mais j'aime bien les ambiances comme ça. Et j'aurai tout le public et ça va être une bonne bagarre. Victoire de Noah donc, qui pense déjà à sa finale, mais hommage quand même à Christophe Roger Vasselin, ce grand garçon simple, sympathique, intelligent dans la vie et dans le tennis. Il nous a enchanté contre Gunthart, Luna et surtout Connors. Et cet après-midi, malgré ses deux roues de bicyclette, comme l'on dit en tennis, il a quand même réussi de jolis points. Dès le départ, même les jeux que j'ai faits, je sentais que je faisais illusion. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait les fautes par nervosité, mais c'est pas moi, je faisais rien en fait. Et voilà, au cours de la partie, il a pris confiance et moi, il m'a jamais laissé rentrer dans le match. Vous avez des gros regrets? Sur ce match, oui, je regrette d'avoir pris une trempe pareille parce que je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux dans ce match. Mais disons que je vais essayer d'oublier ce match le plus vite possible et seulement de me rappeler la demi-finale de Roland-Garros, la demi-finaliste à Roland-Garros 83. En tout cas, bravo Christophe. Demain, finale dames, l'américaine Chris Evert-Lloyd affrontera la jeune yougoslave Ima Josovec. Football, ce soir, fin du championnat de France de première division. Pas de problème pour Nantes, qui est déjà champion de France et qui reçoit Mulhouse, la lanterne rouge du classement. Mais les deux places qui restent vacantes pour la Coupe de l'UEFA promettent des rencontres serrées entre les quatre clubs concernés.
Il y aura un tiercé à Auteuil demain. Les pronostics de Pierrette Bresse, vous les lisez le 18, le 4, le 23, le 16, le 17, le 21, le 5 et le 6. Le temps demain, Alain Gillot-Pétré, encore beau et chaud? Oui. Une chaleur de fou qu'on a déjà vue aujourd'hui. 27 à Paris à 17h, 28 à Lyon, 29 à Clermont-Ferrand, 30 à Pau et Bordeaux. Il fera encore plus chaud demain. Regardez la photo satellite. Cela est dû à ce magnifique anticyclone centré juste sur la France qui a, comme prévu, détourné la perturbation qui était hier sur l'Atlantique, sur la Grande-Bretagne. Tant pis pour les Anglais, tant mieux pour nous. Regardez la carte pour demain, demain après-midi. Donc, grand beau temps partout, un peu plus de nuages sur les côtes de la Manche, mais plus de pluie, et en possibilité d'orage le soir sur l'Aquitaine et en tout cas les Pyrénées occidentales. Baromètre à la hausse, thermomètre à la hausse, minimum 20 degrés. Aucune température en dessous de 20 degrés demain après-midi, nous dit le Météo National. 23 à Lille, 27 à Strasbourg, 29 à Paris, 29 à Limoges, 32 à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Agen, Toulouse, 31 à Marseille, 28 à Ajaccio. Qui dit mieux? Demain, samedi 4 juin, 2 minutes de soleil en plus, levé 5h52, couché 21h46. C'est la Sainte-Catherine en bikini demain, en bikini Christine. Bikini. Je vous rappelle la principale information de ce journal à la suite des manifestations de policiers aujourd'hui à Paris. Le préfet de police de Paris a présenté sa démission qui a été acceptée par le ministre de l'Intérieur. Le directeur général de la police a lui été relevé de ses fonctions. Et j'apprends à l'instant que le principal syndicat de policiers, la Fédération autonome des syndicats de police qui représente quelque 58% des voix aux élections professionnelles de policiers, la FASP donc condamne fermement les deux manifestations qui ont donc eu lieu à Paris aujourd'hui. À 22h50, Claude Sérillon vous développera ces informations dans notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée. Yeah.